Bonjour. Massale Cabri aujourd'hui, Sive Cabri aujourd'hui, Nakok aussi aujourd'hui, mange une feuille banane aujourd'hui. Bref, l'équipe de Malba, bien sûr, hein, l'équipe de responsable de la chapelle de Saint-André. On va dire nous un instant. Marie, tout de suite, mais elle est un peu pressée parce que là, on retard, mais ça va à première ou trois heures tout à l'heure. Et bon, allez, à tout à l'heure. Ça, c'est meilleur. Bernard, qu'est-ce que tu fais tout ça, la viande là? Ça mangeait? Ça a mangé? Eh ben, dès qu'il arrive, comment ça va? Ah ben ça va très bien Jean-Claude, ah ben. Dis-moi comme ça, vendredi midi, viens manger massage et Cabri. Il me dit, ben elle est bonne, on a monté un coup, j'ai oh. Ah bon? Là, dès que tu arrives, on dit, bat tout de suite. Ah, les mailles pas, la connais. Les jolies Cabri, hein. Donc, dis-moi comme ça, il n'y a pas de petit chez Cabri au matin. Il dit, viens battre la viande. Il m'a dit, ben elle est bonne, on m'a dit, battre un peu la viande. Bon, massage et Cabri aujourd'hui. Massage et Cabri, il a dit comme ça. Mais la coque aussi, on est là. La coque, massage et Cabri. Un peu civé aussi. Un peu civé, Cabri aussi. Cabri. Le poêle est là aussi, Bernard. Le chaud, ah oui, le chaud. Hein. Le poêle, il bouille, ah, la couverture est chaude. Hein. Donc, là, comment est-ce qu'il est vite? Nous commençons vendredi, nous. On t'a envoyé Daniel Rode, il fait grimper, non? Et banane, pas besoin de manger une assiette. Le canopilé, je veux, mec. Canopilé est là. Le paquet en chaud, les prix, les prix. On a tout ici, quelque part où, ben, les bourreaux. Bon, ben, mais ça va, mais là, ça doit battre la viande parce que. Ben, je n'ai pas beaucoup de temps, hein? Ah, il est un instant. Ah, oui. Ouais. De toi, ton mouvement, ça. Mais bon, alors. Ah, Bernard, elle est bon là, on finit, parce que le cabri là. Donc, un peu de côte, parce qu'il faut mélanger un petit peu de côte, ensemble, faire un bon massage, il faut un peu de côte, tu vois. Ah bon. Parce que la viande, ça nous fait, ça fait un civet ensemble. Ça, civet. Ça massage. Et ça massage. Après, il y a un massage de côte. Parce qu'ils ont encore plein d'œil, ils aiment bien cabri et un massage de côte. Ben oui, moi, comme moi, je massage de cabri là, ils aiment bien mettre un petit peu de massage de côte à côté. On dirait les deux, ils vont ensemble. Oui, oui. C'est pour ça que m'a fait tuer trois. C'est pour ça que je vais un petit civet, parce que des fois, on a demandé. Et si vous aussi bien, moi, comme ça, ils retrouvent un petit peu l'ambiance service Malba. Voilà. Ouais, mais pas rien, Malba. Après, tout le monde. Oui, ça, bien sûr. On coupe le cotomili tout de suite. Je même fait la cuisine, même pas toutes mes épices toutes. Quand il commence, on ne connaît pas besoin. Pas besoin d'aller faire les épices. Bon, là-bas, on m'invite au bar, là-bas, on met un autre pour plus la joignon. Les bons, mais là, ça vous prépare tout le bagage, les pistes, tout le bagage, c'est moi qui allais après là. Les bons, inquiète pas. On a encore les pistaches aussi. Ça, piment ça. Quand tu te regardes le football, on a encore les pistaches, moi. J'ai un jambe, les larves, encore. Cabri, t'es là. Le bon là, ça va là. Ça va, là. Et comment ça? Depuis c'est prêt. Bah oui, mais là, parce que fini là. Depuis c'est bon là. Bah les bons, nous voyons, nous attendons comme ça, c'est temps. Bernard, ça c'est si bon avec. Au moment de faire ça, au moment de faire ça. Si bon avec des trois feuilles calopilées dedans, hein. On peut revenir à lui. Voilà, et après là, tout de suite, on se met dans le pilon, t'es là. Et où ça pile à lui ou là? Bah, pile à lui. Ah là, vous l'avez dit ça? Ah, mais l'apprenti, moi. Aujourd'hui, mais l'apprenti. Mais le big grand chef cuisinier est là. Il a pris un peu exote, en fait. Ah, bon, bon, ah oui. Après, il y a attends, là-haut. Après, quand Marie, la chapelle là-bas m'a fait l'intéressant. Ah, c'est quelle chapelle, où? Ah, nous, chapelle Ravine Creuse, nous. Ravine Creuse, d'accord. Ravine Creuse, c'est André. C'est André même. Alors, allons vous le grand chef là-bas, là. Toto. Toto, bah. Ali, à moi, c'est bon l'apprenti. Toto, ça fait le civet. Toto, ça fait le civet. Ça les ont dit, hein, quand ça a commencé, pizzi, bien là, fait civet coq, civet cabri, non, massale coq, massale cabri, hein, et après, bon, Toto a fait le faux civet. À nous mettre la main, nous, à nous mettre un petit coup de main, nous. Les bons, là, d'accord. Tu peux revenir un petit peu? Ah, ben, cabri, il faut mettre dans l'huile. Dans l'huile, après, il faut lui rendre un peu son lot. Ben, il faut lui rendre son lot, après. Tu peux pas revenir, hein. Ah, pas pareil. Pareil. Poire massalé avec six couilles dedans. Hein? Trop beau. Hein? Il est trop beau? Il est trop beau. C'est toujours dit très vite. Hein? L'ail, gingembre, piment, oignon, safran. Ils remettent sur le feu. Et après massalé. Et là, on met le six couilles tout de suite dedans. Hein? Voilà, exactement. Voilà. Un peu de sel dedans. Du gros sel. Un peu gros sel.
commence à prendre la couleur, hein. Ah, là, il commence à conduire. Ouais. Tu vois, puis le calopiné, hein. Qu'on l'a fait torréfier. Là, tu as la calopinée avec le silon. Voilà. En tout cas, l'odeur, elle est là, hein. Elle est quand même assalée, hein. Là, on rajoute encore les trois épices dedans, il devient massalé, hein. Ah oui. Hein. Son lot, hein. Il y en a, hein. Ouais. Ah, le poil, le citron d'une pluie, mettre le poil dedans, hein. Voilà. Ah, il fait carcotte. Il bombarde lui-même, là. Ah, bombarde lui-même, là. Il bombarde lui-même, là. Là, nous allons envoyer le poil dedans, là. Le voir, il ne lâche pas la prochaine fois, banane, comme ça. Là, 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 il fait ma fille de moi, là. Hein, la fosse, c'est où que ça, ça cuisine, là, bientôt, hein. Ah, oui. J'aurai mon bonnet, moi, là. J'aurai le bonnet. Ça fond un petit peu. Il manque un petit peu de la couleur. Là, après, là, ça les cuit, là, hein. Là, pourquoi même pas saler, quand même. Non, pourquoi même pas saler, là. Tu dois faire tout de suite le civet. Là, non, fais tout de suite à côté. Donc, fais pas revenir à lui, mais rentre ton lot. Rentre ton lot. Après, il n'occupe pas l'île de l'Est. Il n'occupe pas l'île. Mais on a out pour Védry aujourd'hui, alors. Ben, le doigt, t'as tout coupé. Ah, ton doigt coupé. Ah, ici, comme là, on a couteau, tu coupes trop bien. Hein. Comme avant, un fut un temps avec couteau, tu coupes pas du tout ici, hein. Et comment est-ce que tu coupes comme rasoir? Ouais, c'est ça. Hein, on a dit ça? Là, on va mettre un petit peu girofle. Girofle. Girofle, hein, intérieur, hein. Girofle. Et ensuite, poivre, hein. On va mettre un peu de poivre. Ouais. Un petit bon jetin dedans et après couvre-lui, hein. Et là, il rajoute le masalé dans le poids tout de suite. Et le dérange des mets là. Hein? On rajoute un petit peu de l'eau, hein. On rajoute un petit peu de l'eau, ça nous laisse être bien mijoté. On nous baisse un petit peu de feu dessous. Après les brouillards. On va tout le bouton, voilà. C'est quoi fini là-bas, le poids massalé, waouh, attaque le massalé par ici, Bernard, hein. Voilà, hein. Ça invite un oignon, donc dans le cabri massalé, donc dans, on n'a là que de sel là-dedans, hein, pour l'instant, hein. Rien que de sel, la rentre son jus, là on lave les oignons dedans, là il est bon, avec toutes les bonnes épices, là, il ne peut pas rater, là, hein. Mais Javi, il a mouni raté massalé, ah, l'impossible, l'impossible raté massalé, hein. Toutes ces épices-là, l'impossible, là, ça, c'est la potion magique. La potion magique pour le mettre dedans. Hein. Sinon, avec des feuilles calopinées, torréfié. Le mot plus joli. Hein. Ah oui, voilà, exactement. Voilà. Hein. Voilà, hein. Bon. Et là, Bernard, hein, on prend une petite cuillère. Et là où ça rajoute le bon. Ça rajoute les épices. Les autres épices, donc l'ail, gingembre et piment. Hein. Voilà. Il retourne toujours. Donc là aujourd'hui on tourne là alors. Ah ouais, moi tourne, moi l'apprenti aujourd'hui moi. Ouais ouais ouais. Il est en mode apprenti, il a mis à prendre un peu mon grand chef là. Les bons, les bons, les bons. Quel ciseau utilise? Mais comme hein? Hein? Quel ciseau? Quel ciseau? Ouais non mais quand vous le tourne. Ah moi ciseau. Il faut avoir un ciseau hein. Parce que il faut prendre une tour. Ah moi. Après on a des ciseaux. Ah moi ciseau de doigt ouais. Après quand Marie la carte va faire un peu intéressant. Safran, bon, curcuma, hein. Alors, on a plusieurs types de curcuma, Bernard. On a sa petite teinte, et sa petite teinte pas. On a un peu, elle est plus pour le goût que pour la teinture, on a un peu, là. Elle ne teinte pas de bon pays, hein, vous voyez. Voilà. Mauvaise qualité. Voilà, on a massalé tout dedans, là-bas. Impeccable. Le dire seulement, mais dommage, banane de télé, ils sont pas ça, mais il peut dire aucune. Okay, un petit peu si long, hein. Ah, déjà là, même il va aller tout de suite là, un petit peu caloupiné dedans. Hein? Comment Mauricien dit ça là, oui? Carri poulet! Carri poulet! Ouais. Et là, les tomates tout de suite. Voilà, les beaux, comme ça, vous mettez au matin de la belle, hein. Ça, c'est massalé, ça. Et on vous rajoute pas tamarin aussi dedans, ou un petit peu tamarin après. Il croit que là, le frigidaire tamarin. Ah ouais. Mais non, il croit, dans la porte frigidaire, il faut le balayer un peu tamarin, il croit.
Ça, c'est bien pour le petit goût. Le petit goût acide. Et là, le massalé descend tout de suite. Hein. Un petit peu au départ. Et après, en deux fois, massalé toujours. Ouais. Toujours en deux fois. Hein. Là, il peut en aller bien. La couleur, il me prend déjà. Ah, la fin de la couleur, il est arrivé hier. Et comment va Mouni rater massalé après? Mais impossible. Déjà, tout ça là, impossible de rater massalé. Il manque de sel. Ah oui, franchement. Ou bien sinon, il vient mettre un peu. Même là, le sel, il manque pas là. Ah ouais, aussi, vous gagnez le sel. Teste le sel à l'odeur. Il y en a de l'eau là, BNA, ça rajoute un petit peu de l'eau après parce que. Au moins comme ça le il brûle pas le massalé, hein. Voilà, vous connaissez les affaires, ouais. Ah bien ça. Ouais, ouais. Tu connais mon grand mec, un grand mec Shaolin là. Ben m'y vois. Vous passez beaucoup de temps aussi dans une chapelle ou non? Ah bien ça. Donc oui, préparez mon bon Dieu là. Ouais, explique moi un petit coup. Chapelle Ravine Creuse. Chapelle Ravine Creuse. Ravine Creuse à Saint-André. Et donc vous étiez avec le maman. Avec le maman, on était à la chapelle. Le but c'est voilà, c'est l'accueil de monde. Et puis surtout c'est de rappeler un petit peu ben, nos traditions, ce que nous avons fait un peu auparavant. Ouais. Et puis ben, nous toutes dans la joie, comme dans l'église, comme dans la mosquée, comme partout. De tout nous réunir à nous, d'un seul but commun, de partager des moments de bien-être ensemble. Et surtout de prier, prier-nous tous ensemble. Voilà, c'est surtout ça en fait. Mais ok, donc, qui a grandi presque dedans. Hein, comme il dit presque, le mot n'est pas fort. Hein, où la vie a un changement par rapport à une tradition culturelle, ici à La Réunion, par rapport à cette tradition culturelle aussi qui vient de nos origines en Inde. Après, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance. Et par contre, ça permet à moi d'aller un petit coup, faire un petit tour en Inde, de voir un petit peu comment c'est pratique un peu en Inde, comment c'est pratique un peu aussi à La Réunion. Mais il peut dire que c'est quasiment la même chose. Aujourd'hui, il y a cette transition un petit peu entre les jeunes et nos aînés. Et ce que aujourd'hui m'apprécie, c'est que justement ces aînés-là, ben, il est là pour accompagner à nous, il est là pour aider à nous aussi, à comprendre aussi la religion et à évoluer aussi dans cette religion-là aussi. Quoi. Ça explique à nous comment ça nous a pu fêter là, comment nous avance aussi et que avec notre bon Dieu est différent, avec nos différentes cultures aussi. Et c'est ça aussi l'important aujourd'hui en fait, c'est-à-dire que on pratique aussi avec une certaine intelligence. Et il montrera aussi mais comment il évolue aussi et comment nous évoluons notre temps aussi. En fait. Est-ce que les jeunes n'ont aussi ce retour des sources? Est-ce qu'on a l'impression que les jeunes, de plus en plus, ils veulent faire une religion qui se rapproche le plus près de la religion du pays d'origine, de l'Inde? Ils essayent, effectivement. Après, on pense qu'il y a deux types de façons de faire un petit peu la religion, de pratiquer la religion. On en a un peu le côté brahmanique, on a un peu le côté traditionnel. Ouais. Aujourd'hui, voilà. Il faut respecter chacun en fait. Hein, donc, moi, mon but à moi, c'est de comprendre ce que l'autre fait. Et au contraire, nous, notre religion, prend la tolérance comme toutes les religions. Et quand on a compris que c'est la tolérance, le leitmotiv en fait, un petit peu de ce que nous fait, on a tout compris en fait, tout simplement. Donc, avant tout, les religions, c'est une philosophie. Donc, il apprend à nous un art de vivre, un art d'habiter ensemble, de vivre ensemble. Et c'est ce vivre ensemble-là que les riches et que nous tient aussi à La Réunion. Quoi. Bien sûr, mais profite que là, vous avancez un petit peu sur ce sujet-là. À La Réunion, nous avons un culte, bien entendu, mais on a aussi une culture qui se rattache à ce culte-là. Par exemple, le sacrifice des animaux, c'est un gros sujet. Hein. On parle beaucoup actuellement de sacrifices des animaux, puisque il faut dire que nous pratiquons une religion qui est originaire de l'Inde, mais dans un pays majoritairement chrétien. Exactement. Hein. Donc, un pays français, pour ne pas le citer, puisque nous les Français, exactement. Ici, hein. Après, est-ce qu'il y a des incompatibilités avec le fait que nous sacrifier les animaux durant nos cultes? Après, moi, il me dit que le sacrifice d'animaux, c'est pas quelque chose de tabou. Nous la pratiquons ça depuis longtemps. Aujourd'hui, nous pratiquons encore aujourd'hui. Moi, il me dit sacrifier un animal quand il est nécessaire de sacrifier un animal. Une fleur en a une vie, un citron en a une vie, la pièce salade en a une vie, les animaux en a une vie. Pour moi, aujourd'hui, et c'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui, en fait, hein, c'est-à-dire que tout ça, ben, tout ce que l'on a la vie aujourd'hui, il faut que nous aussi nous nourrions à nous aujourd'hui. Donc demain, nous allons mourir aussi. Mais pour moi, on n'a pas d'incompatibilité dans le sens où tout ça a un sens, en fait. Aujourd'hui, quand nous voyons un volaille, que ce volaille soit d'une grande surface, ok, il donne notre plat, que c'est nous qui cherchons de notre cours. Il y a une vie. Pour moi, voilà, il y a une vie, il y en a un sens parce que nous avons besoin de nourrir à nous aussi aujourd'hui. D'accord. Donc pour moi, il n'y a pas d'incompatibilité. Après, voilà, on pourra polémiquer sur ce que nous voulons ou quoi que ce soit. Il faut bien tuer pour manger. Il faut bien tuer pour manger aujourd'hui. Alors quand tu es devant un bon Dieu, que tu es dans une boucherie, une charcuterie. C'est pour ça que moi, midi, vous déplacez à vous demain pour aller voilà, dans une boucherie ou dans une boucherie, dans un supermarché ou dans un temple aujourd'hui. C'est comme dans un temple aujourd'hui, nous.
nous prend effectivement ces animaux qui étaient sacrifiés pour donner, pour repartager à tout le monde. Donc, n'a pas du tout d'incompatibilité et au contraire, c'est un vrai moment de partage et nous tous apprécions nous pour ça. Et comme dit Créole, quand Malbaï bat tambour, ben nous connaît que le Damasalé, ça dépend dans longtemps. Ok. Et ça. Mais là, nous pas eu le tambour, mais en tout cas, nous avons le Damasalé. Là, ici, dans ma mythe. Hein. Alors, Bernard, où la fine, pas tant de temps de causer, Bernard. Ah, ben là, il y a chose, hein, il a rajouté un petit peu de temps. Ah oui. Et ensuite, là, il s'est laissé cuire un petit peu. Et après, ça rajoute encore un petit peu de Damasalé dans une deuxième partie, parce qu'il paraît que Damasalé rajoute deux fois. Hein. Ah, mais déjà là, il y a déjà ce bon petit coulé. Effectivement, nous, là, c'est René. Son jus et après l'occupe de ouais, ça c'est comme beaucoup de choses, on a beaucoup de choses, il faut faire deux fois. Exactement. Hein, et voilà, hein, parce que le premier c'est l'essai, le deuxième c'est le. Exactement, c'est le bon. Le bon, voilà. Bon. Non, les examens non, hein, parce que nous profitons que c'était en période de bac là pour dire un grand félicitations à toutes ces personnes effectivement, qui ont eu le bac et même ceux qui ont été recalés. Qui ah, mais pour nous, c'est partie des choses de la vie. Voilà. Moi-même personnellement, et puis me dire où, hein, c'est que. M'a lagué mon bac un peu de manière juste et m'a participé des grandes écoles, m'a été recalé et c'est pas pour autant qu'on m'a abandonné. Bien sûr. Et donc moi midi, c'est le message qui m'a fait passer à tous les bacheliers et à tous ceux qui font des études, abandonne jamais, voilà, parce que c'est à qui de la réussite. Hein. Tout le temps on dit bravo à ceux qui ont eu le bac, donc, mais et courage à ceux qui vont venir après, parce que le plus dur est à venir. Voilà aussi. Exactement. Hein. Voilà. En tout cas, merci bien. Bien hein, bon, ben, nous continuons la cuisine nous alors, hein. Les bons. Ben là le bout on l'a goûté alors, le bon. Ah, dangereux. Dangereux. Ah là là en mode de compétition là. Ouais, en mode compétition. Ah là, la vie là. Ouais. Là c'est moi là c'est la ligne de départ là, pas bon, pète à panneau là. Ouais. Après faut dire aussi, ouais. La professionnelle aussi hein. La professionnelle. Donc, moi un apprenti comme moi, comme là des grands gaillards comme ça à côté moi. Ah ben me peut dire ça hein. La midi à la compétition, moi là. Ah donc, bon. D'accord. Bernard, qu'est-ce qu'on fait de piment là? Un petit peu, ben, ça fait masser les coques. Ah oui, ça c'est pour le masser les coques à côté. Hein. Masser les coques, même principe. Ouais. Hein. Ouais, même sauf qu'il faut faire revenir un petit peu avant. Fais frites ailleurs. Fais un petit peu avant. Les bons alors. Hein. Fais vite, ça fait tout ou bien. Ah, fais tout. Hein. Pour la mettre dans une barquette. Hein. Chacun va pouvoir un petit peu. Vaut mieux plus que pas assez. Sourire avec nos gens. Oh, ouais, voilà, là. Ah, hein. Allez, t'es là. Les petits bulles dedans, là. Hein. Ah, oui, mon ventre est plein, rien qui sent même là. Bon, là, les bons, on va aller, parce que là, il est cuit, là. Il hein. Faut pas les cuire plus que ça, hein. Exactement. Voilà, là. Et sur notre marmite, là, on a le civet cabri qui commence. Il est en train de rendre son jus, là. Il est en train de rendre son jus. Voilà, et après, un instant, on va mettre les épices. On va mettre la langue qui parle d'un les épices sont un petit légèrement différent que notre côté. Pour l'instant, on a un branche de thym, un peu de. Un peu de girofle, un peu de sel. Et de ça. Exactement. Non, ça même, hein, pas plus que ça pour l'instant. Là, c'est rendre son jus, après ne vient pour lui après. Mais bon. Bien, là, on rajoute quoi? C'est quoi ça? C'est un jus de tamarin. Tamarin. Ouais. Ça, c'est juste pour donner un petit peu d'acidité dans le masalé. Le masalé. Hein. Pas beaucoup, hein. On rajoute beaucoup, hein. Et dire, on enlève le grain. Ah oui. On enlève le grain. Et ah oui, on peut toujours rajouter un petit peu à faire vert par-dessus, hein. Fait joli, hein. Pour faire joli. Parce que pourquoi un grain tamarin capture un moon, hein. Ah oui? Oui. Attention. Ça l'a mal passé c'est... parce que là, on mange la main là. Hein? On ne peut pas mettre les grains d'autres. Plaisante, hein? Mais là, dit, un accident est si vite arrivé. Voilà. Même pas besoin d'aller pour un accident. Ah, le masalé avance là, hein? Parce que bon instant là? Ça, alors, il faut goûter pour garder ça dans les cuits. Goûte pas, moi. Goûte pas, vous connaissez quand il y a dans les cuits? Ouais. Hein. Ça donne au moment où il y a un peu de vieux après le matin, mais là, quand tu as le vieux comme ça, quand tu fais cuisson, quand tu fais dur. Allez, bon alors. Quand tu fais dur. C'est bon. Il y a quand tu fais dur, donc rajoute quand tu fais dur. Là, mais tu fais cuisson. Ah, pour là, ça est cuit, hein. Ah, c'est bon. Ah, ouais. Ben, Julie, où l'arrivée? Comment ça va? Eh, l'autre, attends, là où vous commencez la cuisine, ben, nous ne voyons pas où arriver, donc du coup, nous allons commencer. Mais où là, je vais comme ça, je sens encore un peu la casse, alors elle va commencer. Non, mais parce que Massalé, il faut du temps, vous pouvez. Mais elle reste à casse, mais elle attend. Elle attend nous se faire, quand elle dit, mais les bombes, il peut monter, là, elle a monté. Ah bon, d'accord. Donc la case, elle a un feu, elle a sorti du portail. Voilà, le feu vert, le feu rouge. Et c'est où qui débloque le feu? Et c'est orange, c'est quoi? Quand vous vomissez, vous appuyez sur le feu vert.
si on ne veut pas mission, toi, tu sais le faire rouge. L'esclavage est fini. Là, quand il a vraiment encore une mission, l'esclavage est fini. Soleil, là, qu'on soit pour faire bien au monde. Il est là, c'est bon. Mais bon, mais à cause de la mise en haut comme ça, là, parce que t'es quoi, t'es fait frais ici en haut, quoi. Ben, midi, à soir, peut-être. La midi, peut-être après-midi, comme ça va faire. Quoi, parce qu'on a beaucoup d'amis qui viennent cet après-midi, là. Oui, on aura nos amis parce qu'ils vont venir. Et en plus, on a une belle rencontre avec des personnes qui ont l'air d'être vraiment charmantes. Donc, autour de Massalé, voilà. Massalé, civé. Massalé, civé. Voilà, poire, citrouille. Poire, bouillon, la rasson, tout le petit appel. Oh là là, formidable. Mais pourquoi le rond de faille banane? Ah, ben super, ben écoute. Le tétan, alors, pour le rond de faille banane. Ben avec plaisir, pourquoi pas. Ou regarde, il a le panoplie, il a le panoplie, il a le bot, à moi, il garde. Non, mais on regarde lequel fait des bons, le vent pour comprendre. Il est bon. Parce que le vent, quand il prend dedans, là, il cache aux feuilles. Il a le bot, il a le gilet, il manque rien que le couteau. Il manque le couteau, mais voilà, où est le couteau. Vous pouvez le pH pour combien t'attaches le couteau avec Non, parce que puis les bananes, les hauts aussi. Ah, bon, on va y aller, écoutez. Maman, t'as dit. Bon. Regarde bien là, que ça fait là. Maintenant, ça fait son massalé coq. Carré poulet Massalé coq. Non, carré poulet, c'est ça. Carré poulet, c'est ça. Là, c'est massalé coq. Massalé coq. Les bons, alors. Bon, les bons. Eh bien, non, ça, c'est quoi? Montez-moi un petit coup là. Jésus. Jésus. Le visage gelé. Ah oui. Magnifique. Si on a trois gésiers, vous dites à la trois coques. Hein? Si la trois gésiers, vous dites à la trois coques. Mais compte tes pattes. Si on a six pattes, vous dites à la trois coques. C'est le poulet, monsieur Daniel a coupé ce matin. Ben oui, ça, là, tu es ça. Ça, c'est le poulet, la cour, ça. Poulet de la cour. Ben oui. Très joli le poulet. Voilà, voilà. Pour ça, c'est enlevé tout de suite un petit peu de sel là-dedans. Ouais. Hein? Et après, ça va être allié frites comme ça, avec le marmite comme ça. Ah, non, là-bas. Hein? Vous faites frites allié avant? Ben, je fais frites. Oui, fais frites allié avant. Et voilà. Et Cabri, il fait pas frites. Il a son lot. Alors que le coq, lui, il faut faire frites. Hein. Ah, bah oui. Ça, c'est la base. C'est la base. Avec un petit peu de sel poivre, tu fais frire. Après, on entame. Mais là, ça, on les dépose toutes les bonnes affaires. Bah, hein, et puis après, on revient à l'heure. T'as l'heure de vacances. Elle est bon. Elle est bon. D'accord, elle est bon. Eh, ça va dire, là. Ah, quel sac. Là, il y a eu, là. Hein. Est-ce qu'il en a six pattes là-dedans? Non, parce que peut-être que t'avais un thé bancal, on connaît pas. Alors, Aouché, nous donne un petit coup de main. Ben oui. Aouché, comment? Ah, moi, c'est Florent. Florent, ben. Voilà, voilà. La cuisine, vous connaissez pas où? Si, ben, petit cuisinier de base. Ah, ben. Ah, il dit cuisinier, il cuisine toute l'île. Ah, il cuisine toute l'île. Ah oui, mais là, là. Et tu cuisines de moune aussi, non? Tu cuisines de moune, tu cuisines toute l'île. Tu cuisines là aussi? Ah, il cuisine là aussi. La cuisine, moi aussi. Quand il y a besoin de renseignements, là, il cuisine à nous. Mais ça veut même du cuisine à nous. Voilà. En tout cas, on est bien tatoué. Oui, ben, un petit peu. Comment tout va y aller? Il trouve bien, moi. Mais après, un petit coup, ça dire moins l'affaire. Viens là, écoute pas. Écoute pas. Hey, conseil motive quelqu'un à faire des tatouages et des tatouages bien prononcés comme ça ou Bon, en fait, c'est des tatouages polynésiens, ils racontent toute histoire en vrai. Donc, en Polynésie voilà. Pourquoi on va choisir la Polynésie pour raconter toute histoire? Ben, parce que ils trouvent que c'est. Ben, ils font du beau travail déjà. C'est à l'origine du tatouage? Oui, c'est l'origine. Ouais, c'est l'origine du tatouage, voilà. Hein, les voilà. Premiers. Ouais. Donc, quand on fait un tatouage, il faut que c'est un truc réfléchi et que n'ait un sens. Oui, parce que ça pire, ça m'aime bien. Là, il faut plus, avec ça ou là Même avec le savon, il sort pas bien. Vous mariez avec madame, vous ne connaissez pas, mais avec le tatouage, vous êtes sûr. Les filles retrouvent à moyen. Les retrouvent à moyen. Voilà. Hein. Est-ce que la pire des choses à faire, c'est d'écrire le nom de madame sous main? Oui, ça ne faut pas faire ça. Parce qu'on ne connaît jamais comment il tourne la vie. Hein. Donc, vaut mieux. Par contre, vous pouvez écrire le nom de papa. Oui, ben le papa va pas changer. L'écrit Alexis là, c'est le nom de mon papa. C'est mon bras. Donc, quand mon papa est mort, ben, toutes les mamans, les enfants décident d'écrire le nom ben oui. Alexis. Et puis, même t'as les, mais les pas gros, les petits, les presque. Ils voient pas, hein. C'est pas ben oui. Public, hein. Voilà. Miam, miam, justement, ben, ça pour raconter mon histoire, au moins comme ça, on connaît que. Voilà. Voilà. Tout est là. Voilà, les bons là. Alors, où tu as cuisinier avant? Avant, oui, il m'a fait 5 ans et demi en cuisine. Et alors, tu fais quoi? Cuisine française? Gastronomique, cuisine du monde.
Ma cuisine du bon. Ouais. D'accord. Je travaille sur Nantes, sur une péniche. Sur une péniche? Ouais, c'est ah, chouette ça. Ouais, franchement, c'est énorme. Ah ouais, ouais, ok. Ça va, Koubana, moi, il n'y a pas de mal. Viens, Où tu as vu cuisiner ou le beau-frère? Ah oui, il cuisine très très bien même. Ah oui, oui. Et non, on a un petit sourire, quoi de la bouche ou là? Malavie Il cuisine très très bien. Non, mais là, il est très bon. Ah, nous l'apprenons. Il signe en mode apprenti, là, en fait, toi. Ah, bon, en mode apprenti. Là, on a rajouté un petit peu de tomate, l'ail. Oui, tomate, l'ail. Regarde, déjà, là où Jean-Claude, déjà, ça coule, même une vanille. Ouais, ouais, ouais. Et là, pourquoi mettre devant, là? Oui, pourquoi on est devant, on peut dire. Ça s'isier avec devant, là, en fait, toi. Ça s'isier avec devant, là, l'instant. Ah, oui. Ça s'isier avec devant, là, la couleur. C'est plus même. Et quand on prend cette cuisine là-bas, je l'ai payé, je t'ai fait des civets, des. Non, c'était vraiment cuisine française, cuisine du monde. Ah, ouais. Que ça. Par contre, un bon civet de chevreuil en France, qu'on mange. Ah, oui. Bon, ah, oui. Marie appelle ça. Pendant des jours et des jours. On n'appelle pas civet là-bas. On va dire au vin. Au vin, ouais. Un chevreuil au vin. Voilà. Comme nous, notre coq au vin. Voilà, exactement. Quand on va s'achiver. Aujourd'hui, on va faire un cabri au vin. C'est ça. Ami foot, t'as eu du homme, hein. L'ami enlève son statut d'apprenti, moi, là. Mais bon, Babina, ça vous vient, t'en as où laisse le tomate un petit peu cuit. Exactement. Et après nous vient pour en mettre de vin. Voilà. Voilà. Bon. Et bien, écoutez, ça allait un petit peu parce que t'es manqué un petit peu de ça. Bien, où là, qu'on mette les cabris par ici, je vais voir, alors. Au moins comme ça, on la dégage le feu de l'autre côté pour le coq. Voilà. Et puis après, il va avoir un petit peu aussi le goût du feu de bois ici. Hein. Voilà. Ah, le massalé. Ben voilà, il est bon. Comment les cuisines, les vrais, alors? Ah, ben vous savez, Miguel, là, elle attrape un petit cuillère, comment ça, t'as tout touché un peu hier. Bravo. Bien, c'est vrai qu'en fonction de la tenue de la cuillère, on connaît si le bourglais est cuisinier ou pas. Ouais. Hein? Et ouais, c'est la cuisine. Peut-être pas la cuisine vraiment 100% que là, mais franchement. Là, il tourne un petit peu. Un petit peu comme un foie gras, c'est la poêle. Exactement, hein? Là, on met un peu de foie volaille dedans là. C'est pour l'apéritif. Bah, là, il y a un charia, ou quand même. Donc, des épices pour le massalé? Ouais. Hein? Cilon, l'ail, gingembre, piment. Ouais. Et puis après, on va mettre deux petits grains, deux petits morceaux de cotomili ou dedans. Ouais, hein? Voilà, juste fait joli ça. Hein? Ouais. Non, mais le couvercle, il tient pas bien dessus là. Parce que le marmite, il est déformé. trop de chaleur, tue la marmite. Ça, c'est le civet. Là, sans le vin. Sans le vin. Déjà sans le vin même. Eh, c'est pas comme le pain sans le vin. Là, il crie c'est du civet vin, sans le vin. Là, il crie de vin, il est là en fait. Il crie misère, il crie de vin, en fait. Ah, putain, vous voyez. Je vais mettre un peu de tellement les cru, je vais mettre un peu de poulie. Tellement les cris, les plaies, là, ça se levait, ça fait grandir un beau pérignonais, ça. Exactement, en fait, toi. Donc... Vin royal. Ben là, c'est pas le vin là, fait grandir un beau pérignonais. Ben, dans le cas qu'il a dans sa tête. Ah bon. Ah, donc là. Oh, elle est bon, là, ça lui cuit un peu. Là, il cuit un peu dans son petit vin là. Là, il va prendre le goût de vin. Et après, quand il prend le goût de vin là, la bouteille, il y a un peu de vin. Bon, t'as l'air. On va rajouter un peu de vin. Un petit peu de vin après, ouais. Le vin, comme le massalé, il rajoute deux fois ça. Deux fois. Mais connais, madame, moi, elle appelle Miane, Fanny Mélodie, elle me chante. Elle dit, moi, si t'es connu, tu fais deux fois. Ah oui. Elle sort un morceau, elle dit, si t'es connu, tu fais deux fois. Ah ben, lui, il fait deux fois. Mais le prochain coup, on appelle Ali. Il a fait deux fois alors. Parce qu'il n'est pas nombreux, donc c'est suffisant. Mais joli quand il chante quand même. Ah oui, quand il chante comme ça. Ah ouais. Oui. Hein?
Mais fais un petit peu de musique derrière. Vous voulez plus guitare, piano, comment? Je sais pas du tout, excuse-moi, mais chante un peu, ça. Mais chante quoi? Un petit peu dancehall, un petit peu Sega. Karaoké, j'aime bien qu'on fait les karaokés aussi. Ah ouais, ouais, ouais. Dancehall ou la bonne rythme ou bien... Non, une belle bonne rythme, après, chante. Ou chante dessus. Et on crie donc un texte ou même, alors. Exactement. On improvise un petit peu. Exactement. Fais un peu freestyle aussi. Non, non, mais la vie, il va chanter, voilà. Freestyle, non, rien du tout, il va. Mais un peu timide. Ou un peu timide. Ben, mais comment, c'est bon. Voilà. Mais soyez un d'abord pour bien. Bah oui, après. Soyez ou bien, ou alors, un coup de scala, le frère, bon. Inquiète pas. Bon, ok. Julie, vous trouvez une copine? Malatour, ma copine, Malatour, Manu. Manu, voilà. Comment ça va? Ça va, bien, merci. Ah, voilà. Ouais. Il paraît que vous avez fait la finalité du Massalé. Non, nous faisons la finalité, la nous suivre le coup Massalé, nous là. Bien, bien, on est l'épaule de la main, regarde ça. Bien, on va suivre alors. Donc là, le coq était revenu. Mais bien, là, qu'est-ce que tu cuisinier est loin comme ça? Ça sent bon. Ça c'est la poudre de le silon grillé avec un peu de de comment on appelle ça, carré poulet dedans. Voilà, c'est joli, hein. Non, mais le marmite est grand, c'est pas ça, hein. Ah, on n'a pas l'habitude de faire dans les grands marmites ou? Si, toujours. Toujours dans les grands marmites? Je ne sais pas. C'est tout dans le bon vieux marmite. Ah, Zadie, hein. Ah oui, elle a l'habitude. Et là, l'ail, gingembre, piment, dedans, hein, la base du Massalé. Bien sûr, bien là, hein. Voilà. Hein. Il paraît que c'est dans le marmite rouillé aussi, mais bon, carré. Ah, c'est mon, comme il a dit, c'est mon vieux marmite, mon vieux marmite. Même le goût sort, en fait. Hein. Ah, ouais. Ça fond. Attends, maintenant, on a fait, hein. Vas-y, c'est toi dans le vieux marmite qui fait pour manger, là. Oui. C'est un mythe propre, ça, ouais. C'est un mythe, ça. Après, dis tout. Nous, l'avons fait à croire de monde quelque chose, hein. Mais il n'est pas vrai, ça fait là. Est-ce que Souvey, pas fait du manger, d'où un vieux marmite, il mangeait son rabon? Non, oui. Et le vrai, dans les vieux marmites, des fois, il brûle. Ah, ben voilà, vous l'avez vu. Mais il y a un vrai connaissance, moi, hein. Ah oui, il y a un goût. Bien, un petit peu de l'eau pour déglacer Ali, voilà. Et là, mon caméra qui tombe. Alors, maintenant, la caméra qui tombe. Mon caméra est folle. Voilà. Maintenant, laissez pas suivre des droits. Là, Massalé tout de suite dedans. Allez, laisse pas ça respirer. Mais il est bon, bah, t'as dit reste. Ouais. Voilà. Je sais pas si Don Massalé aussi fait deux fois. Si, ben Don Coq Massalé. Ouais. Mais deux fois. On va y aller, on va y aller. Jamais deux sans trois. Et puis à la fin, un peu quand on tourne là, on va se manquer un petit peu Massalé, là on va rajouter. Mais bon, alors. Bon. D'accord, les bons. Bon. Bon. Et un petit peu de tomate dedans. Voilà. Là, des choses comme ça. Là, la tomate, tu te bottes. Non. Le sauce, là si tu mets ça sur du blanc, bon Michel va gagner dans ma idée pour enlever la tâche. Bicarbonate de soude, ou Michel aussi, il y a une astuce aussi, t'as Michel le premier rosé azote. Michel, gros bisous, ma chérie. Voilà, Michel va avec un E, hein, bien sûr. Hein. Oui, et quand on met, non, caloupilé. Comment parler ça en elle? Caloupilé. Carré poulet. Avec l'accent. Oui, les Indiens disent carré poulet. Ah, les Indiens en elle, hein. Maintenant, tout le pape, on a la pièce à l'île de Nous, la partie, on est, nous connaissons. On a pas les miennes alors, on n'a pas le choix aujourd'hui, vous connaissez. Elle a coulé, elle est. On a du rouge, on a du jaune, on a du vert. Alors, on a l'impression que. Bernard, il filme un peu, non? Audio? Non, mais à où là? Attention, on va y aller. Il te filme galoupilé? Non, mais on a du vert, du jaune et du rouge. Vert, jaune, rouge, c'est quoi ça? Rasta. Alors, hein, Bernard, qu'est-ce que tu veux dire ça, hein? Vous voulez pas un petit arrière? Ah oui, Bernard, hein. Le bisou carré, comment on a trois couleurs? Ben, c'est les rastas. Hein, vert, jaune, rouge. Hein, ouais. Le caloupilé qui fait du vert, la tomate qui fait le rouge et le safran à l'intérieur qui fait le jaune. Donc on a du vert, jaune, rouge. Tout à fait. Non, voilà. Vert, jaune, rouste. C'est un peu rouste aussi, hein, parce que c'est vieux, hein, c'est vieux comme nos racines. Bon, il connaît technique même. Ah, ben là, il rajoute un petit peu de l'eau avec le reste. Non, le. Ben oui, ben.
Avec les épices, voilà. Qui restaient. Et dans le petit, voilà, toujours on le fait comme ça, voilà. C'est excellent. On rajoute un petit peu de kalou pilé pour donner le goût. Après, un petit peu cotomili ou pas, ça m'a dit comme ça. Mettez encore un peu massalé. Là, les bons. Un peu chinois, on dirait qu'il n'y aura pas trop de figure. Mais les chinois? Non, ben oui, parce qu'on a les cheveux qui tombent sur la. Là, on voit chinois ou là? Non, c'est les cheveux. Kousso, kousso, chinois ou là? Non, mais attends, c'est à ouais? Ouais, ouais, non, mais ça fait massalé, ça fait massalé. Il vaut mieux bien faire massalé. Ah oui, exactement. Après, après, la route, tu fais après. Un petit peu de sel, là, parce qu'il manque un petit peu de sel. Je lui dis, il manque un petit peu de sel. Il manque de sel. Il manque de sel. Ah, bon, ben, il faut adoucir un petit peu avec du ah, sel. Ah non, mais là, il adoucit pas avec du sel, là, t'es. Non, là, mais attends. Mais, non, mais tu crois qu'il adoucit tout le temps du sucre. On peut adoucir avec du sel. Sel. Oui, parce que le sel. Non, parce qu'on dit toujours le sel de la vie. Hein? Oui. Ce qui fait que la vie est meilleure. Alors, donc, une vie meilleure, c'est une vie qui adoucit. Ouais. Donc, le sel de la vie, c'est le sel qui adoucit la vie. Ben, écoute, très cher, pourquoi pas. Si tu veux le sel de l'Himalaya, voilà. Comme c'est rose, c'est adouci, c'est l'amour. Voilà. Ouais, demande-moi si il prend le sel de l'Himalaya. Ah, mais c'est pas qu'elle est salie, c'est vrai. Le sel de l'Himalaya, elle est rose. Allez, viens, rose. Parce qu'on adoucit avec du rose. Chérie, tu as nommé tout à l'heure les trois couleurs. Ou les sûr que c'est pas ou plutôt qui prend un peu de cette couleur-là? Non, pas du tout. Ah bon, hein, tu me rassures. Pas du tout, pas du tout. Mais c'était qu'une référence à ce voilà. Pays que nous aimons bien. Exactement. Hein, la Jamaïque. Nous, nous aimons hein? Celle sorte Saint-Leu là-bas. Ah, hein, voilà. Ouais. Mais est-ce que les normales, par exemple, hein, nous avons du sel ici à La Réunion et nous achetons encore des tonnes et des tonnes de sel ici ça. Pour nos cuisines. C'est hein, alors que nous sommes dans un endroit où la mer est très salée. Ici, hein? Ah oui. Ouais, ouais. Hein? Allez, mais tamarin. Il manque de structure. Voilà, manque hein, l'eau de tamarin, l'eau de tamarin. Il faut adoucir un peu le tamarin. Oui. Non, l'eau de tamarin, c'est pour rendre un petit peu plus acide. Ah, pour oui, l'acidité. Mais oui, mais après, là, le tamarin, là, quand il fait un petit boule avec le sucre dedans, ça les bouge, ça. Avec piment. Ça, famille fait ça, non? Ah, petit bazar. Le balsoum. Mémé. Bisous, mémé. Mémé fait ça. Ah, oui. Mais vous connaissez que c'est sa mémé qui fait tous les tamarins au sucre. Là. Ah bon? Ouais, et au piment. Ah oui, ouais, mais. Mais là, on a un peu de tamarin là-bas. Voilà, voilà, après, voilà. Bon, mais alors. Voilà, la famille Gobal se mit. Mais comme il était petit dans les vacances, mais t'aimes bien rouler le tamarin comme ça, nous t'es fermé sachet, nous t'es prépare les épices, safran, tout ça. Ah, c'est le bon vieux temps. Ah, bon. Quand t'es mettre piment pour 5 ans en l'air comme ça, t'es sans fort. Tu fais beaucoup le piment. Ah, ah oui. D'accord, d'accord. Ah, oui. Là, tout ça fait tirer là. Ouais, ouais, bon, là, que là, comme ça, ils mettent un cerise sur le gâteau là. Ben nous mettre cotomili si c'est ma salle des cabrines. Ah, bon, vous la papa si tu tombes banai cause. Ah, déjà ça cause à zot. Ah nous nous mettre cotomili. Le téléphone m'a fait caribichi m'a mettre un peu cotomili dessus. Ah, cause. Même si fri donne madame la dit belle ça lui mettre au calou que son cotomili. À zot la pose au bichic. J'ai causé madame. Bravo. Alors voilà, cotomili sur le salé et là nous le bon comme ça hein. Là du joli goût hein. Vas-y, Lydia, allez. Mais les choses, hein, fais attention. Hein. Bon, les malbars, les pas malbars. Malbars, pas malbars. Les malbars, nous. Allez. Vas-y, c'est malbars à l'homme. Malbars à l'homme, c'est bon. Okay, mais arrête d'aller voir quoi, il y en a un malbar dedans là. Non, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Nous aimons tout le monde ici. Tout le monde est bienvenu. Nous aimons toutes les cultures. Alors dis-moi, les cuits, chacun pas cuits. Chacun est présent. Voilà. Les cuits, pas cuits. C'est bon, t'es. Les bons Ah, c'est bon, bon, hein? C'est bon, Stop. Ben voilà, merci, madame Benin. Je suis passé à faire comment ça les cabouilles. Ben voilà. Mais tu sais, c'est bon, là, aujourd'hui, c'est où? Ben, il change un petit peu, tu vois. Voilà, les bons, là, on nous retrouve un instant. Les bons? Ah, oui. Le coup, lui, il y a même une heure aujourd'hui, là. Ah, tout final, là. Bien, à tout final, alors. Final, ben. Zonion vert. Et un petit peu coton midi aussi. On dirait, il a dit. Il ressemble. Il ressemble. Mais là, le bas, c'est quoi? T'es bien joli, hein? Le civet, fin rajoute deuxième coup le vin, non? Encore. Ben, nous, on a Nick aussi avec nous aussi. Nick, comment est-ce? Ben, écoute, ça va, oui. Ça va? Un boule à tout du net, ben, écoute, oui, ben, il y a du soleil ici. Le soleil tape, il y a du soleil ici, ouais. Hein? On voit pas bien? Là, on lui voit pas clair. Hein? Mais son madame ne parle pas clair, c'est pour ça. Mais où est-ce que Aurélie m'a appelé? Aurélie est de l'autre côté là-bas. Oui, là-bas. Les bons, tu vois, oui. D'accord, alors, les bons. Mais vous l'avez vu qu'on s'en a mangé? Côté, il y a un super manger là, c'est vraiment, c'est un service malbal. Hein? Il m'a envoyé une banane, il l'a dit là-bas, mais il ne connaît pas que c'est ça, Rosé. Donc, comme c'est pas moi, à mon avis, ça fait moutonne de la sienne. Moi, je vois qu'il y a des feuilles de banane là-bas. Comme un pompé le vent, feuilles de banane, les cassées aussi un peu. Ah, les cassées? Oui, on mettra un sac en plastique là, les bon, plastique, ma problème. Ah, ma problème? Non.
Ouais, dis ramène, on ramène pour toi. Bah ouais, nous mangeons des assiettes. Mais bon. Malheureux de faire banane, moi, l'instant. On m'a trouvé deux, trois pieds cachés. Et il paraît que la poêle feuille banane parce que feuille banane, le vent la casse toute feuille. La passe de debout, c'est le petit camarade, il a batté. Il a dit ça pour le couteau, il s'est cassé. Allons couper. Vous connaissez pourquoi Julie dit comme ça, ça coupe feuille banane. Parce que Gualdien met ses bottes. Ramène mes bottes, tu vois, Nick. Mais il voit que Julie est en cavalière aujourd'hui. Je suis en cavalière. Il monte pas cheval, il fait genre. Mais en plus, la cheval, c'est où là? Le cavalier est là. Ah d'accord. Il y a le cavalier, c'est le cavalier. Alors tes bottes sont là. La cheval, même pour la passe, pour aller monter là. Je monte pas le cheval. Faites pas de la cour là. Mina, une bombe aussi, je vous vois. Parce qu'il faut une bombe, moi. Hein? Faut une bombe. Une bombe de quoi? Ben mettre la tête. Faut mettre la tête, la bombe. Mais arrête de dire des bêtises. Mais quand tu fais du cheval et que tu n'es pas habitué, il faut mettre une bombe. Mettre la bombe. Normalement. La bombe, c'est le casque. Alors je vais te dire, oui voilà. Mais le cheval, c'est pas pour moi. Moi j'aime bien m'habiller en mode, mais je ne monte pas. J'aime bien les regarder de loin. J'aime bien regarder. Non, j'aime bien toucher mon petit cheval. J'aime bien d'en aller manger. Mais ça s'arrête à là. Ça s'arrête à là. Mais bon, alors, on l'a dit ça. Parce que pour moi, le cheval n'est pas fait comme ça pour m'étudier le pauvre cheval. Déjà, c'est un mouvement. Mais depuis la nuit des temps, on monte les chevaux. Mais je sais, mais bon. Il est habitué, c'est ancré dans son ADN, ça. C'est pour toi, c'est un mouvement sur d'autres. Mais oui, mais moi, c'est au Moyen-Âge, ça va prendre un mois de monter ici. Voilà, c'est autre chose. Le cheval a été fait pour ça. Ouais, on va dire ça comme ça, mais moi, je préfère. C'est pour ça qu'il y a des tanaches. Oui, c'est vrai aussi. Mais je préfère voir Ali gambader dans la nature comme ça, être. Pour toi, c'est une maltraitance. Je sais pas, on va pas dire ça comme ça parce que Nasser est un cavalier, il est vraiment en harmonie avec ce cheval, ça tient vraiment ça. Mais il pense qu'il y a des personnes qui ne respectent pas le cheval. Moi, je pense qu'il y a des personnes qui font ça, mais ils tiennent complètement de l'animal. Et c'est ça que chacun a un petit peu. Ah, d'accord, alors. C'est plus animaux du monde comme ça. Ah oui, et c'est pour ça que des femmes préfèrent même pas y penser parce que les terribles. En fait, quand on regarde seulement les reportages sur YouTube, on regarde les émissions, simplement on voit ça. Et Nena, ah, Odia, ben. On est dégueulasse quand même. Hein. Donc monter des chevaux, on est dégueulasse. Mais non, on va pas dire ça dans le sens là. C'est un plaisir, pour les connaisseurs, pour ceux qui respectent l'animal, pour ceux qui savent comment il fait, il n'y a pas de souci. Mais on connaît bien que c'est pas le cas de tout le monde. D'accord. On nous connaît bien. Mais bon. Voilà. Bon, on regarde un petit peu de loin alors. Ah, mais on peut pas garder loin. Bon, nous allons manger un instant parce que tout est bon là. Hein. Ouais. Nous sommes un petit coup bon là parce qu'il y en a beaucoup de monde là arrivé là. Déjà, hein, aujourd'hui. Hein. Du coup, là, on l'a fait service pour quel bon Dieu? Alors, quel bon Dieu? Je ne connais pas moi. Ah bon? Ah bah oui, ben. Tout, dis pas tout. Non, mais Boukal, n'a pas fait. On ne veut pas dire tout. Hein, n'a fait pour toutes les réunionnais qui nous regardent. D'accord. Hein, Malba ou pas Malba, Caf, oui. Caffrine, créole. Mais non, mais le Caf n'a la Caffrine, mais le créole n'a le quoi, lui? Mais la créole. Ah, la créole, voilà. L'oreille, la zoreille, le chinois, la chinoise. Le petit arabe. Et le petit arabesque. Non, pas le arabesque. Le petit monsieur arabe, le petit arabe, toute la communauté de la Réunion. Voilà. Aujourd'hui, parce toute la communauté de la Réunion qui me salue. Voilà. D'accord. Tous nos amis. Et nous vivons, nous, dans la Réunion. Et en tout cas, nous remercions Canal Austral. Merci à Monique d'être aujourd'hui avec nous. Ah, merci. Nous nous réunions aujourd'hui, notre communauté. Mais les communautés que nous attendons aussi. Ben, et les communautés aussi, malgaches, qui me saluent aussi. Aïcha et tous nos amis. Hein. Voilà. Et de Mayotte aussi. Mayotte aussi. Et des Comores aussi. Oui. Oui, des Comores aussi. Ah, oui, ouais, ben, parce que la chatelle des Comores, c'est les Maoris. Et Maurice aussi. Et Maurice aussi, voilà. Bon, okay. Là où vient, là où cause, là, parce que. Hein, là où, parce que. Hein, les bons, d'accord, les bons. Bientôt, à cause un peu sur Maurice. Ah, ben, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, là? Bon, allez, allons manger, donc. Hein? Tu es à nous, là-bas, là. On va venir, là? Yves Cabrio, un petit peu de vin juste à la fin, mais un petit goût, et même un petit peu de vin sur la caméra aussi, j'aime pas, hein, Toto, un petit peu de vin sur la caméra, ouais. J'aime pas aussi. Là, après, il est bon, là. Là, on tire sur le feu, va tirer sur le côté, et un instant après, on va nous faire rien dedans. Toto, fais comme dans une cérémonie, hein. Dans une cérémonie, il donne un petit peu machin, il ne me met pas pour mon pied. Ouais. Mettez un peu de gris, puis donne un petit peu la couleur, ça va. Ça va. Ah, voilà.
Là, les bons, hein. On fait la montagne, tout aujourd'hui. La donne à zone verte avec PSI. Zone verte avec PSI, exactement. Mais pas tout au midi, si c'est pas. Ah, ça, même moi, ça crie d'aise. Tout le monde, ça crie. Ça crie d'aise. Ah, oui, oui. Ils mettent pas tout au midi dans le cyber, hein. Ouais. Jonas, comment ça va? Ah, on passe pas la télé? Non, mais dis à moi seulement si vous mettez. Jonas, il ne veut pas lire. Il ne veut pas dire moi s'il met tout au midi dans le cyber. Il met Jonas. Un petit peu, là, dis-moi un petit peu. Ça doit être un bon cuisinier, là. Un bon cuisinier. Ou la gagné ma maillot. Tout petit mamaïen, quoi, non. Lui voit ça. Bah, tu m'as enlevé, inquiète pas où. Va goûter, va goûter. M'a pas goûté, m'a fait goûter, moi, les bons. Là où il est en mode Malba aujourd'hui, là. Hein, ils ont deux, là, hein. En mode Malba. Il dit partout. Il dit partout. Excellent, excellent. Non, non, les pas moi, ça dit partout. Donc, moi, ça dit partout. Ah, mais dit partout, inquiète pas. Les bons. Il sera l'ambassadeur. Voilà, on a civé. On a massalé. Il y a les pâtes, alors. Ah oui. La... Parce qu'on a des projets. Voilà, les on a des projets d'enfants parce qu'il paraît quand même les pâtes. Non, ben, c'est déjà enfants. Fait, c'est déjà fait. Ah, d'accord. Donc il veut dire qu'on a mangé le bon bête pâte avant. Hein? Super. Voilà. Là, on a donné à nous pour aller même là. Ah, pour aller là. Alors, on se retrouve le clan des trois. Oui, ben il manque le clan des quatre. Il manque Ariel. Il manque Ariel. Le cœur, il est, voilà. Le cœur, il est. Hein. Vous n'êtes pas un petit peu plus noir que les autres, ou là, tu es là. Mais non, on a fait le dégradé. Mmh. Non, parce que tout le monde est blond ici, hein. Les autres quatre là, il n'y a qu'un. Ça représente bien le métissage. Ah, le métissage. Oui, 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 oui. Ouais. Et vous pensez qu'avec un massalé, les autres, si ça va communiquer sur ce métissage-là, mais nous, on a toujours communiqué, nous, là-dessus. C'est un lien, mais ce n'a pas forcément besoin de. Je ne sais pas communiquer. Ouais. Voilà, Michel ne s'est pas demandé à où. Non, parce que sinon non. Ça. Hein, non, non, demande pas. Demande pas, elle est trop long, Michel. Elle est trop long. Hein. Parce qu'aujourd'hui, là, la pile noire, la pile blanche, toutes les grilles. Nous les mélanger, nous toutes les mélanger. Nous les grilles un peu, non? Exactement. Voilà. Mais chinois, alors. Ah, vous un peu chinois, hein? Chinois, ou tu veux pas faire un petit coucou à toute une famille l'autre côté là-bas? Ah, du côté de Saint-Pierre, oui. Oui, ouais. On ne dit pas le nom. Non. Non, on ne dit pas le nom. Voilà. Trop, hein, long, trop long, long, trop long, trop long. Ouais, voilà. Nous attendons, trop long. Nous attendrons, nous, Michel. Voilà. Voilà, voilà. Bon, mais laisse les autres manger. Tout le monde, quand même. Un petit coucou à mes enfants. Oui. Mes petits-enfants. Bisous, bisous. Voilà, voilà. Dashran aussi, hein, qui nous regarde. Le petit bout de Kylian. Et Diali, arrête de draguer ma petite fille, s'il te plaît. Michel, on peut croire ça. Son petit garçon, il drague ma petite fille. Je peux croire. Mariage arrangé, il n'existe pas la réunion. Bon, Aurélie, allez, Julie, Michel nous retrouvent. À bientôt. Allez.